On a commencé par des expériences avec la caractérisation des ions dans une solution et je les ai laissés passer faire eux-mêmes les expériences et ils étaient vraiment étonnés d'avoir eu des applications de ces éléments qu'ils voyaient comme cours théoriques en classe. On a fait aussi l'électrolyse de l'eau qui est la décomposition de l'eau en ses différents constituants. Je suis très heureuse d'avoir participé à la Semaine africaine des sciences. On a fait beaucoup d'expériences en chimie, la synthèse de l'eau, l'électrolyse de l'eau, tout ça c'est juste pour nous aider à mieux voir les choses, à mieux savoir que même une femme peut faire des trucs fabuleux. D'avoir fait de nouvelles découvertes, d'avoir appris beaucoup de choses, c'est vraiment magnifique. Je suis plus passionnée de sciences qu'avant. Nous avons accompagné la théorie que des enfants ont déjà vue avec leurs professeurs par les travaux pratiques. Et là, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'ils ont compris que effectivement le chapitre qu'ils ont étudié, ça a des applications dans la vie. Ça peut leur permettre également de faire un choix. Ceux qui veulent par exemple devenir des médecins, comment est-ce qu'on arrive à mesurer les volumes des liquides, comment est-ce qu'on arrive à faire des prélèvements, etc. Donc, on a appris tout cela à ces enfants. En deuxième position, le Niger est un pays où il y a plus de chaleur. Nous avons essayé de comprendre cela à partir de quelques démonstrations liées au comportement des différentes planètes du système solaire. Ce qu'on a eu à faire avec les élèves, c'est de la biologie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les élèves font des cours, mais ce sont des cours théoriques. Donc, c'est de la pratique qu'on est venu faire. Vraiment, ça a été vraiment très intéressant pour les élèves. Ils ont été vraiment passionnés de toucher la chose du réel. Nous avons essayé aussi de parler sur l'hygiène du squelette parce qu'aujourd'hui il faut d'abord être en bonne santé avant de poursuivre ses études parce que nous voulons que le prochain Einstein soit d'abord des Africains. Donc pour évoluer dans ce thème-là, il faut que nous soyons d'abord en bonne santé. Donc c'est pour cette raison que nous avons essayé d'introduire maintenant dans le système maintenant l'hygiène sur le squelette. Ce qu'au fond il faut d'abord manger, que ce que nous devons manger, les aliments que nous devons consommer pour que notre cerveau fonctionne pour pouvoir évoluer. Et vraiment, ça m'a encouragée quand il parlait des planètes. Oui, quand il parlait des planètes, j'étais vraiment épatée. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et je suis heureuse et je remercie tous les scientifiques qui nous ont appris cela. Semaine africaine des sciences. J'adore!